14, versets 1 à 11. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. La paix, bon Dieu, avec nous. Amen. Nous disons, bon Dieu, merci, qui matin permettre nous en présence li, et nous là pour nous adorer. Nous saluons toutes bien-aimées qui en ligne, et nous invitons à ne pas quitter rien distrait ou disposer cœur pour nous passer un moment d'adoration avec le Seigneur. Nous saluons également toutes amies nous qui suivent nous. Sur YouTube, nous avons dit que nous sommes à Miami Beach, 1801, Nord-East. C'est là que nous avons adoré le Seigneur ensemble. Si vous n'avez pas gagné l'église ou affecté, nous avons aimé ou participé à l'adoration avec nous. Et vous pouvez joindre un téléphone, un numéro de téléphone au bas de l'écran, ou capable relayer si besoin de prière. Donc nous invitons à disposer cœur pour adorer le Seigneur en ce grand jour. Que bon Dieu bénisse. Nous allons entonner ensemble le numéro 82 français, Dieu qui est le chant d'espérance. Je ne sais pas pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Nous allons chanter ensemble ce cantique. Allons chanter pour nous adorer Seigneur. Gloire, bali l'honneur qui lui est servi. Préparez-vous pour adorer mon Dieu avec nous. Amen, oui. Allons camper nous-mêmes qui l'a dans notre plan. Yeah.
Yeah.
lecture, nous faisons lecture dans 2 Timothée 3, verset 1 à 9. 2 Timothy 3, verse 1 to 9. You should know this, Timothy, that in the last days there will be very difficult times. For people will love only themselves and their money. They will be boastful and proud, scoffing at God, disobedient to their parents, and ungrateful. They will consider nothing sacred. They will be unloving and unforgiving. They will slander others and have no self-control. They will be cruel and hate what is good. They will betray their friends, be reckless, be puffed up with pride, and love pleasure rather than God. They will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Stay away from people like that. They are the kind who work their way into people's homes and win the confidence of vulnerable women who are burdened with the guilt of sin and controlled by various desires. Such women are forever following new teachings, but they are never able to understand the truth. These teachers oppose the truth just as Janae and Jabez opposed Moses. They have deprived minds of a counterfeit faith, but they won't get away with this for long. Someday everyone will recognize what fools they are, just as with Janes and Jabez. Amen. Alléluia, 22 que l'on chante espérance. Amen. Mesdames, vous savez, bien-aimés, pour adorer. Amen. Alléluia. Il fait belle bagaille. 22, 22. Amen. Thank you.
Oh, my.
Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloignez-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Apprenons toujours à ne pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannès et Jambès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne font pas de plus grand progrès, car leurs folies sont manifestées pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Parole de bon Dieu. Amen. Merci, Seigneur bon Dieu. Depuis quelques dimanches, nous avons étudié, nous avons lu, nous avons parlé, nous avons prêché sur les temps difficiles. Nous avons prêché concernant de bagailles principes que qui pas doué dans la vie monde qui a servi bon Dieu. Des signes du dernier temps, thank you my brother, des signes du dernier temps qui pas doué dans la vie serviteur et servante bon Dieu. Nous te voyons que la Bible dit, Jean nous souvient, nous te guettons, dans le dernier jour, le temps est difficile. Et nous avons une raison qui te fait le temps difficile, c'est parce que les hommes sont égoïstes. Et nous avons une égoïste, c'est le monde qui est captivé, qui prend tout le bagage pour lui, sans lui pas tenir compte des autres. Pas gen rien qui ont dans ça si ou et travail ou gen l'argent ou gen pile l'argent des autres moi oui là sou gen en pile bien mais c'est lorsque bien yo fait au profit des autres et plus que bien yo pour contre nous devons tout de suite après égoïste nous devons immédiatement yo moun li égoïste nous est que moun la prendre l'argent amour de l'argent. Nous devons servir à te dire, amour de l'argent, c'est racine tout mot. 1 Timothée 6, verset 10, il te dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les mots. Et nous devons temps pour te montrer que mot ça, c'est tout problème qui gagne, c'est l'amour de l'argent qui baille. Nous devons voir dimanche passé en haut, nous devons étudier fanfaron, nous devons fanfaron, nous devons hauteur. Mais maintenant, bien aimé, nous allons considérer de notre caractère, de notre signe, que les chrétiens qui vivent pas doivent gagner dans la vie. Et signe ça, c'est eux-mêmes qui marquent tant ça dans la Bible. Maintenant, nous allons voir, selon la lecture qui se fait dans 2 Timothée 3, verset 1 à 9, blasphémateur. Blasphémateur, et puis nous pouvons voir un rebelle à leurs parents. C'est ça, nous pouvons voir. Et nous allons continuer avec enseignement, nous allons continuer avec étude là. Nous pouvons voir blasphémateur. Qui ça, blasphémateur, y est? Un blasphémateur, c'est un monde qui a dit des choses concernant des choses outrage. Des mauvais propos, des mauvaises paroles.
concernant une divinité ou bien un bagage sacré. C'est ça, blasphémateur. Selon définition, je dis blasphémateur, parole qui outrage la divinité, la religion ou le sacré. Ça veut dire, dans le dernier temps, ça, il y a une caractéristique qui va prouver que la vie, dans le dernier temps, c'est blasphémateur. Et tant que un chrétien, ou pas qu'à faire partie des mondes qui a blasphémé mon Dieu. Il y a un auteur qui est le Salmen Rushdie, il dit, là où il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de blasphème. Là où il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de blasphème. Ça veut dire, côté où on ne croit pas de blasphème. Mais, monsieur, plus tard, il dit, comment faire pour ne pas croire? Parce que chaque monde qui a vivre, il a possédé en dedans nous la capacité, puisqu'elle n'est pas converti, il dit, il a possédé en dedans nous la capacité de Dieu. Puisque le possède en dedans la capacité de Dieu, sont obligés automatiquement quoi dans le bagage. Sont des fois en contradictoire même avec ça, il dit. Sont bien aimés, y'a un monde qui a blasphémé mon Dieu ou pas mon Dieu. Y'a un monde qui a blasphémé le sacré, bagage qui consacré au temple de Dieu, bagage qui consacré au service et au service de Dieu. Monde qui ne croit dans mon Dieu, y'a une période de temps pour y'a une sont plus en l'ordre, ils ont vu une quoi différente, et bien Moussa ils n'ont pas qu'à serviteur mon Dieu, ils n'ont pas qu'à servir mon Dieu parce qu'il a blasphémé mon Dieu. Qui ont serviteur d'appeler Livli, lui a expliqué un pasteur, lui a expliqué une expérience qu'il était fait. Li a expliqué que il était pour prêcher en pile, il était pour adorer en pile, il était pour prêcher la parole de Dieu. Mais au cours, dans le temps la vie, dans Johnny in his life, il est venu côté, la foi était en danger. Il est venu côté, il était pour la poser des questions, ça qui passé. C'est que madame était venue faire cancer, et puis docteur vient pas la foi pour madame ni mourut. Monsieur est connu, il dit pour qui ça, moi obligé à servir mon Dieu. Si ma servi mon Dieu, et puis pour y aller pour ma bon Dieu qui te va demain mourir, pour qui ça m'a servi mon Dieu? Sans doute des gens qui attendent moi, qui dans des moments difficiles, qui a passé des moments noirs, qui a posé même question ça, qui a dit pour qui ça y a servi mon Dieu? C'est pendant nos périodes de temps de quoi mon Dieu, nos périodes de temps, ils ont été d'accord avec tout ça mon Dieu dit, mais au fil de temps, au cours de vie, nos vies, ils ont pu participer, ils ont passer dans des routes ténébreuses, je vais passer dans le chemin qui est roche, et puis la foi va faire naufrage. Il va demander pour qui ça a servi mon Dieu. Blasphémateur, c'est le monde qui a prononcé des propos. La Bible dit si un monde ne parle mal contre mon Dieu, il va gagner pardon. S'il parle mal contre petit là, il va gagner pardon. Mais s'il parle mal contre le Saint-Esprit de Dieu, il va pas gagner pardon pour lui. Il y a des gens qui ne peuvent faire des miracles. Il y a des gens qui ne peuvent faire des prodiges. Bon Dieu était sous eux. Et puis plus tard, ils ont vu réaliser. Ils ont dit non, ça me t'a fait assez de diables qui étaient dans tête moi. Ils ont vu le pas qu'on a mon Dieu blasphémé mon Dieu. La Bible parle de un monde qui est blasphémé mon Dieu. Et dans Job chapitre 2. Le verset 9, Job chapitre 2, le verset 9, Job te gagne tout bien lui, lui te gagne belle petite, lui te gagne de grands biens, la Bible dit, lui te gagne qui te plus riche, n'est pas lui, lui te gagne tête devant mon Dieu, lui t'a servi mon Dieu bien. Immédiatement la ville commence à faire naufrage, c'est ça, la seule n'a fait. Et bien, lui mette nous dans les moments difficiles, et puis pour nous douter mon Dieu. Et que mon Dieu tellement douté mon Dieu, ils ont même demandé pour qu'ils s'asseyent. Ils ont tellement douté mon Dieu, ils ont même dit pour qu'ils m'aiment mon Dieu. Que mon qui tellement douté mon Dieu, ils ont même douté salut. My God, que mon qui tellement douté mon Dieu, ils ont arrivé dans le préfio, ils ont passé des moments noirs, ils ont demandé est-ce que mon Dieu existait. Job. Dans Job chapitre 2, verset 9, dans toute douleur, dans toute calamité, il dit, sa femme lui dit, madame lui, quand
sévère. Madame Nicobé, elle dit, moi, dit mon Dieu, Jean chapitre 29, et puis moi, il y a un bagage qui me souligne dans le verset. Lui, tout ça l'a dit dans le verset. Lui, il y a un signe, il y a un point d'exclamation. Il y a un point d'exclamation. Lui, si il y a un monde qui a parlé, lui a crié. Moune sa kap pale a la brele, moune sa kap pale a li enerve. Sentil ke madame nan telman vini yon kote l pa ka soufri a misye. E men di misye, gade lè ou mon chè, ou pa wè ou fil deseche, ou pa wè ou pa vwone, ou pou so pa moti mon chè, e pou wè fè ou tou mouri. Li di sa avèk, li te enerve, e sa sin d'esklamasyon sa li montre. Bien aimé, lorsque m se kreti, m'a traversé des moments noirs, et tant que serviteur, mon Dieu, si m'a remarqué, quelques dimensions, quelques positions, m'a remarqué que m'a blasphémé, mon Dieu. Des mouns, y'a blasphémé, mon Dieu, tout le temps. Les mouns en douleur, ou est-ce que souvent, les mouns ne sont pas qui mourent. Des mouns dans la terre, des mouns qui mourent, ils disent, mon Dieu, gardez son femme. Il dit, Seigneur, gardez son côté terrier. La blasphème, mon Dieu. Il fait même genre, marié avec ma tête, marié avec ma vie, Seigneur. Si tu étais ici, mon frère, il va la bourrir, il va la bourrir. Que mon Léon est un moment difficile, Seigneur, côté comme si. Il est tellement blasphème, mon Dieu. Il est offensé, mon Dieu. L'homme de Seigneur, côté terrier, et comme si vous voulez du Seigneur, ou pas là, ou pas de capacité pour tout côté. À la voix et semble dit mon Dieu. Je ne sais pas combien de monde qui a écouté, qui donne un moment noir, qui a blasphémé mon Dieu. Sans doute, il y a des gens qui sont affectés par une maladie. Et puis on dit, Seigneur, quand on t'y est, qui veut prendre maladie. Il y a des gens qui sont en prison. On dit, Seigneur, quand on t'y est. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui ont un moment noir. Il y a posé, il y a prononcé des paroles de blasphème. Et la Bible dit dans l'Apocalypse, c'est faux prophète là qui blasphème le nom de Dieu. Automatiquement, on n'a pas dit sur ça. C'est ça que nous avons encouragé. C'est ça que nous avons mis en mise en garde pour pas que nous ça dans la vie. Dans l'Apocalypse, chapitre 18, chapitre 19, chapitre 20, la Bible dit c'est faux prophète là qui a blasphémé le nom de Dieu. Immédiatement, on a blasphémé le nom de Dieu pour faire partie des faux prophètes là. Now, we have to be careful. Le bon Dieu a passé nous dans des moments noirs. Pour ne pas blasphémer le nom de Dieu. Des mouns au cours de vie, ils ont été 100% dans mon Dieu. Et puis à la dernière minute, ils ne viennent pas croire dans mon Dieu. Ils ont blasphémé le nom de Dieu. Ils ont dit que ils ne sont pas capables. Mon Dieu blasphémé le nom de Dieu, c'est lorsque, dans le moment noir, dans le moment difficile, dans le moment épreuve, ils ont consulté divino. Il a consulté au grand, il a consulté mon yo voye mon al gade pou yo. Ke moun pou yo ka konnen comment Dieu me yo e, yo an de l'église. Et puis a fait moun li men yo. Il a fait moun li men yo. Avè di depi yo li men yo, c'est pour ça. Blasphème. Ke moun ki tellement nan malgré nan de l'église, malgré converti, malgré la prêche, non seulement li a li men, mais la checké signe. Les horoscopes, les gens qui font mariage ne peuvent pas marcher, c'est parce que marié avec mon février, marié avec mon mars, mais si je marié avec mon décembre, il y a un sim, blasphème, mon Dieu. Il y a un blasphème. On peut y aller dans l'église. Il y a un conseil de psychique pour y aller, mais si on aime M la donne, ou malheureux. C'est le gros Géladon, au grand aigle. Et vous avez dit, demain, il n'y a pas de bon Dieu encore. Tandis que la Bible dit dans Matthieu 6, il dit, personne n'a pas qu'à rendre cheville rouge ou blanc si ce n'est pas bon Dieu. Le verset 43, il dit, verset 43, premier second, il dit, pas baïté ton problème pour demain, parce que c'est moi-même qui a foué demain. Pour qui ils ont obligé à consulter un divin pour ma blasphème, mon Dieu. En plein chrétien, ils ont pris un signe. Moi-même, toute la semaine, si je me démarre avec Persis, si je me démarre avec Poisson, si je me démarre avec Fruit, et Maria, elle a bien marché. Ils ont dit qu'on a blasphème dans l'église.
en tant que Christ, qui a blasphémé le nom de Dieu, en plein monde, a blasphémé mon Dieu bien-aimé, my God. Les hommes seront blasphémateurs. Je te dis, dans l'introduction message, quelques dimanches de cela, immédiatement, égoïste, c'est lui qui vient de la chaîne de tout reste, ça qui dit dans 2 Timothée chapitre 3. Immédiatement, mon égoïste, immédiatement, il y a un monde qui l'argent. There's nothing wrong with l'argent. Mais il dit que l'argent, c'est lorsque vous faites bien au profit des autres. Et puis, on va partager bien. Nous devons ça déjà. Immédiatement, mon égoïste, il faut que l'amour de l'argent, il faut le fanfaron, il faut l'auteur. Immédiatement, mon égoïste, il n'est pas capable de blasphémateur. L'égoïste, il y a tout le bagage pour lui. Now, dans le blasphémateur, l'égoïste vient lier avec le blasphémateur parce que mon égoïste comme pour dire que tout ça me fait, c'est moi-même qui fais. Comme si bon Dieu n'a pas aidé l'an. Et comme si bon Dieu pas aimé le travail, et comme si bon Dieu pas mal santé, ça veut dire tout ça réalisé, connaissance li, li étudier pour l'apprendre, mon Dieu, c'est pas moi-même qui donne l'école pour me t'aider. Of course, mais qu'est-ce qui va capacité, qui va connaissance, combien de monde qui a l'école qui va réussir? Blasphémateur. Et me senti, dans le dernier jour où j'ai vu, il y a des gens qui prononcent des mots de blasphème. Capman de côté bon Dieu. Que mon diable dit même j'ai pas un yo. Côté bon Dieu, côté bon Dieu, côté bon Dieu. Mais laissez-moi dire un bagaille. Sin ça, il va douer dans la vie. Second thing that we're going to see today. Deuxième bagaille, nous allons aujourd'hui avant nous finir. Après blasphémateur, les hommes sont blasphémateurs. Et puis ils vont rebelles à leur parents. Je dis à la vie dans le dernier moment de l'histoire. Quand les hommes sont rebelles avec les parents, il y a un mystère, une faute qui est toujours faite. Les parents de rebelles à leurs parents, en plus, nous comprenons que c'est des gens qui ont parlé seulement. Les parents de rebelles à leurs parents, en plus, mon pensée, c'est Poutine, teenager. Mais qui même faut songer que tout autant papa ou maman vivant ou c'est petite. Tout autant papa ou maman vivant ou c'est petite. À la donda, moi, je vais éclaircir quelque chose. Si maman a 110 ans, moi-même, j'ai 98 ans. Ma vie, je suis un petit monde devant maman. Et la Bible m'a dit, c'est pour obéir maman. Now, si maman mourit, je vais dépendre de moi, je dois l'obéissance. Même lorsque vous t'a marié à Kayou, maman ou papa ou les gens ont certains pouvoirs sur même tout autant ses enfants. Son âme, l'un dit un peu le monde parle rebelle à leurs parents. Et c'est notre temps ça n'a plus aujourd'hui. À cause de rébellion des enfants, à cause de un peu de monde qui rebelle avec parents, ça veut dire, ils ont pas tendé sa maman avec papa dit, ils ont violé sa maman avec papa dit. Ils ont mouru avant l'heure. D'ailleurs, c'est la Bible qui dit, honneur ton père, Ephésiens 6. Il dit, honneur ton père et ta mère. Il dit, pour qui ça? Pour capable vivre longtemps. Avec dit, si on voulait vivre longtemps, c'est pour honorer, c'est pour respecter. Honorer, ça veut dire, c'est respecter, c'est faire ça, demander pour faire. En plus, mon bien-aimé, ils ont perdu quatre ça. La Bible, dans le dernier temps, ils ont rebellé à leurs parents. Ils ont été à l'homme avant de battre. Ils ne vont jamais quitter nous dans le monde. Ils ont une histoire. Jésus-Christ a une histoire. Ils n'ont pas deux jeunes garçons. La caille. Deux jeunes garçons, la caille. Selon Luc chapitre 15. Deux jeunes garçons. Ça pépitia. Rebellé à leurs parents. Ça pépitia au bonjour. Les parents lui disent, papa,
Dali, bon moi, portion bien pas. Tout petit. Rebelle à l'air, pardon. Papa, bon moi, portion bien pas. Kodele an dan la kala, kodele ap manje an dan la kala, kodele bwe, an dan la kala, li yon kodele, li vin pou vle pran indépendansi bonè. What I'm talking about is, gen pil ti moun nan peyi sa, yo baka ton ki le pou yo gen 18 ans, pou yo kouti la kaye. De ki nan wè, kodele yon til de 18 years old, to leave mom and dad, to go live in the world. So I be di, but I don't know yo, yo ya vi poukoun yo, yo ya vi yo ka ve sa ou le. I can see this little man. Mka wè jen ti gasou sa ki met devan papa li, di di papa bon portion bien pa. Me as a dad, mka pa reflechi comment papa senti nan douleur. Mka pa reflechi comment papa li senti zotra li a coupé. But, petit la mande une portion bien pâle, li oblige balé. À chaque fois, yo moun pren liberté, le, li pa doué pren liberté a, et bien, le pa kake de liberté sa. Liberté, elle vini pou pren, ou pren automatiquement, et li pa touye ou. La Bible dit, monsieur, tellement rebelle avec papa, papa dit, petit, me parle. Monsieur Patton del Powell, it is time for me to go, I have to go. There is nothing you can say, pa gen yon ap di, pa gen yon ap fè, ki ka fè mwen te. Yon pil maman, yon pil papa, le petit yo fini a school, yon wale college. Gen yon ti moun yo pou yo kaki te kalabone, yale loin maman yo. Even there is some good college, nan son kote lou ete. Men pou yo kapap gen liberté, yale loin. E an pil de fwa yo batounen. An pil de fwa zami pran yo. Zami vire tèt yo. Zami detounen yo. Paske yo rebel avec papa yo, avec maman yo. Bien aimé, tant que chrétien, la Bible mande pou nou pa rebel avec maman nou. La Bible mande pou nou pa rebel avec papa nou. Men pou nou tande yo. Demouè ou komanse tombe dan rebelyon ou men konen sin denye tan sa se rive la bibisou. Yo rakont yon istwa ki tris. Yo rakont yon istwa ki vreman tris anse ki apè rebel a lèr paran. Gen yon maman yon papa ki ap viv nan yon kay yon gon petit fi. And I'm closing with this. Pendant y a viv nan kala avec petite fille là. Et puis petite fille a dit maman li gon concert li vle aller, tout zanmi li pou aller li vle aller. She wants to go to a concert. Papa avec maman dit non petite fille moi, m pa vle pou aller nan concert ça. Li dit maman faut m'aller nan concert ça. Papa et maman dit non. M pa vle pou aller parce que m pa konnen qui est-ce qui a dans conseil là et puis au loin conseil là loin m'parle pour aller. L'histoire continue pour le raconter. Petite fille, elle passé dans room ni, elle passé dans fenêtre. Boyfriend est venu chercher elle. Il a conduit au dans conseil là. Il allait, il a conduit, il va dans conseil là. Au cours de route tellement monsieur a conduit à une vitesse extraordinaire, les rivets ont frappé une machine. Et puis ils ont fait collision avec une machine, tout le monde est allé à l'hôpital. L'activité a vu une connaissance, l'activité a vu une connaissance, les joignes, quoi, ils ont fait seulement pour gagner. Et puis ils ont joignes presque prêts pour mourir. Et puis, il a raconté que l'imam écoutait l'élément qui était avec nous. Il a dit, driver, qui t'a conduit machine, driver a mouru. Driver a mouru. Mademoiselle tombe et crie. Mais puisque il vient dans le dernier moment pour mourir,
li pose yon lot kisyon. Li mande, e moun machine pa nou an frape ya? E moun machine pa nou an frape ya? E pi, nes la gade mamzel. Li di, mamzel kon sa, li fine. Yo ok. Yo ok. E pi mamzel mouri. Mamzel mouri. Diyo lòt nes ki li gokonye nes nan. Nes nan di lòt la kon sa pou ki sa ou pa dil sa pasi lòt moun yo kite nan machin. Li di paske mwen pwet pou mouri. Mbaka dil se maman la vek papan ki mouri nan lòt machin. What does that mean? Pendan li desan fenet nan, le maman vek papa gadi nan chanm li yo pa wè. Yo pran machine, yo pati de el. E pi yo fè kolizyon avèk mwen machine sa. Li mouri, maman la baba li mouri, boyfriend nan mouri. So, nes nan, ou liye pou ba mamzèl nyon sa, pou l vouye ale avè nyon sa, li oblije baba nyon sa, li oblije pa di nan, men di lòt moun ki te nan machine nan, ete maman avèk baba. A chak fwa, nou repèl avèk sa maman, papa ti pa di nou, Eh bien, nous souffrons de ça. Il y a un pile mariage qui va marcher, qui écrasé. Si nous t'écoutons maman, papa, nous va là. Nous va là. Il y a un pile monde qui fait qu'il est en prison. Il y a posé des questions, il y a dit si nous t'écoutons maman, nous va là. Il y a des gens, c'est pas juste parce que vous n'avez pas l'été de maman, vous rebelle avec papa, vous avez monté une machine zombie. Et puis plus tard, c'est l'État, la police arrêté yo. Yo vin réaliser machine sa yo la dedans. Son machine qui te volé, yo n'a donc dans prison sa ou pas compte. Therefore, my brothers and sisters, bien aimé, nous besoin mettre en évidence, en application. Rebelle à leur papa. Y'a un pile monde qui a pas de bonnes choses. Y'a dit, si m'te connais, si m'te connais, si m'te dans des moments, si m'te dans des papas, j'ai ya. Et bien là, m'taille. Bon Dieu, qu'on a bien maman. Bon Dieu konnen ke papa. Yo wè jou a lan. Yo fè eksperyans ko pa fè. E se sa fè bon Dieu fè yo se yo menm ki maman e pa ou maman. Pou rezon pou sa. Pou rezon pou sa. Si denye tan, se blasfemateur e pi se rebel a lèr pap. Imediatman ta remake, ou gen si sa nan avi ou, ou bezwen priye bon Dieu pou bon Dieu fò gras. May God bless you all. Que bon Dieu bénisse. Oh, 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 o